Hey, salut à tous, c'est Inti, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que ça va bien. On est le 23 juillet, ça fait bien trop longtemps que les vacances d'été ont commencé et ça fait bien trop longtemps qu'on n'a pas fait de live. Les amis, ça fait si longtemps, je vous vois tous là dans le chat. Salut, salut, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Vous ne le savez pas, mais j'ai réorganisé ma salle YouTube. Bien entendu, comme on est sur fond vert, eh bien, vous ne le verrez pas. Mais vous le verrez dans de prochaines vidéos. Voilà, voilà. Donc là, je tourne avec un setup un petit peu... Bah, il manque encore quelques petits trucs. Il manque une ring light par ici, mais ça va, ça va. Regardez, le fond vert marche bien, tout marche bien. Tout va bien, j'ai refait un petit peu le layout des dons, vous verrez là si vous faites un don. Même si vous vous abonnez à la chaîne, il va y avoir un petit truc qui va apparaître à l'écran, je vous dis pas. Je vous dis pas, mais voilà, quand vous abonnez à la chaîne... Ah, voilà, regardez, ça s'est affiché là, par là-bas, vous l'avez vu. Enfin voilà, il y a plein de choses, plein de nouvelles choses que j'ai faites un petit peu aujourd'hui. Aujourd'hui, on va jouer à Poképark 2, le monde des vœux, les amis. Poképark 2, le monde des vœux, c'est le deuxième volet de la saga Poképark. Pourquoi il y a un push qui s'est envoyé, je ne sais pas, bref, on s'en fiche. Et donc c'est le deuxième volet de la saga Poképark. Arrête de... Qu'est-ce qui me fait Windows, là? Eh, hey, monsieur Windows, faut arrêter d'envoyer les notifications. Hein, hop, comment je mets, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on fait, c'est pas grave. Bref, c'est le deuxième volet de la saga Poképark. Le deuxième et dernier, hein, parce qu'il n'y en a pas eu d'autres. D'ailleurs, c'est sorti en 2011. Voilà, sachez-le. Et puis, bah voilà, aujourd'hui, nous allons, eh bien, ensemble découvrir ce jeu, puisque je ne le connais pas, hein, tout comme Poképark premier du nom qu'on a fait sur la chaîne. D'ailleurs, vous avez un lien dans la description si vous voulez le voir. Mais tout comme Poképark premier du nom... Alexandra Level t'a donné 1€, merci à toi Alexandra, ça fait super plaisir. Et tout comme le premier, voilà, si vous voulez le découvrir, il est dans la description. Allez, je vous propose qu'on démarre maintenant le jeu. Donc je vais me mettre en plus petit, hein, parce que voilà, je vais pas prendre non plus tout l'écran, les amis. En tout cas, si vous êtes content du retour des lives, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, ça ferait super plaisir. Et à vous abonner à la chaîne si vous découvrez, si vous voyez le live comme ça, d'une manière comme ça, totalement aléatoire. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez Pokémon et les univers fun et colorés, tout comme moi. Qu'est-ce qu'on me dit dans le chat? Parce que bon, j'ai pas trop lu le chat. Tu l'as déjà commencé? Non, pas du tout. Tu l'as acheté quand, NT? Je l'ai en version Wii, mais là, bon, j'utilise un émulateur, hein. On a le droit d'utiliser un émulateur si on a la version physique d'un jeu, tout simplement. On va y jouer en 1080p. Ok. Donc du coup, temps de jeu 0 minute, hein, parce que j'ai juste lancé 2 secondes pour voir si ça laguait ou pas, tout simplement, et ça ne laguait pas, donc on va espérer que pendant le live, ça ne lague pas non plus, tout simplement. Allez, c'est parti. Dans les options, je voulais juste voir, est-ce que je suis en texte rapide? Vitesse du texte, voilà, on la veut en rapide, hein, la vitesse du texte. Vibration, c'est bon, je pense qu'elles sont activées. Et donc c'est parti, on va aller au Poképark. Je joue bien entendu avec une Wiimote, tout simplement. Ce jeu est top, j'ai adoré moi perso. Rediff ou pas, bien entendu rediff. Par contre, le truc où t'apprends les bases, ça va être relou. Ah bah oui, mais il y a un petit tutoriel au début, comme à chaque fois, hein, comme au début de tout jeu, j'ai envie de vous dire. Et donc du coup, on commence avec eh bien, c'est Reshiram, Reshiram avec ses jolis yeux bleus. Ah là là, il y a du tonnerre, un peu comme tous les soirs pendant l'été. Kili a donné 5€. Quelle ville est la moins romantique? Dijon, car l'amour tarde. Enfin de retour XD. Ok Kili, c'était très très drôle. Merci à toi en tout cas pour ton tip, ça fait super plaisir. Tu dois le sentir comme moi. Les deux mondes sont menacés par une catastrophe. Ah bon? Mes pires craintes sont sur le point de se réaliser. En unissant nos forces et en agissant maintenant, nous pourrions peut-être éviter cette catastrophe. Si disparaître est notre destinée, nous ne pouvons que l'accepter. Il ne nous reste qu'un espoir. Ne ressens-tu pas ces petits rayons de lumière qui viennent briller sur cette catastrophe? Oui, je le sens, mais ils sont bienvenus. Et crois-tu vraiment qu'il puisse balayer cette menaçante noirceur? Je l'ignore. Mais, si ces petits rayons de lumière se rassemblent, ils formeront un soleil.
qui balayera les ténèbres. Ces petits Pokémon-là portent en eux cet espoir. Donc c'est nous, c'est moi le petit Pokémon? Ça doit être moi. Hein. Le petit Pokémon, ça doit être moi. J'imagine. Pi, 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 pi. Pi. En vrai, Poképark 2, j'y avais joué pendant littéralement 5 minutes une fois. Je l'avais testé pendant 5 minutes. Je m'en souviens maintenant, mais oui, je l'avais testé pendant 5 minutes. C'est vrai. C'est vrai, je m'en souviens. Pikachu, te voilà! Approche-toi de type Plouf et appuie sur 2 pour lui parler. Pour bouger, appuie sur les flèches directionnelles en tenant la télécommande, oui, à l'horizontale. Ok. Ouais, c'est vrai que ça joue comme ça, c'est relou. Ça va le faire, ça va le faire. C'est dommage qu'on ait pas un joystick hein, sur cette Wiimote. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Tu vas en faire un let's play? Ouais, bien sûr. Toute la semaine, les amis. Bah oui, c'est la reprise des lives. Toute la semaine. Enfin, pas toute la semaine. Aujourd'hui, lundi, demain, mardi et jeudi, vous avez un live de 18h à 20h et peut-être un peu plus sur Poképark 2. Le monde des vœux, oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc voilà, donc toute la semaine, vous serez plein de cadeaux, de petits let's play sur Poképark 2. Donc ça, c'est plutôt cool. La dernière fois, je suis allé à la plage du Ressac. Le Poképark est super grand et il y a plein de Pokémon là-bas. J'ai envie de me faire des tonnes de nouveaux amis. Vite, on va à la plage et on va jouer avec les autres Pokémon. Ok, ok Tiplouf, pas de soucis. Alors, ouais c'est vrai, il faut appuyer sur 1 pour accélérer, c'est vrai, ça on s'en souvient. C'est quoi cette caisse? Il y a quelque chose dedans? Tu peux sprinter en appuyant doucement sur 1, doucement, attention. Si tu rentres dans la caisse à toute vitesse, elle se cassera. Très bien. Waouh, une baie! C'est toi qui l'as trouvée, alors ramasse-la! Il suffit de t'approcher de la baie pour la ramasser. Tu peux les utiliser pour plein de choses. Vite, allons-y! Bon, ramassons la baie déjà. Ok, d'accord, ça la ramasse directement. Ensuite, on va devoir sauter, bien entendu. Pikachu, par ici, monte! Pas de soucis, on va monter. Les autres épisodes sont des lives aussi. Yes! Appuyez sur 2 pour sauter. Pas de soucis, nous allons sauter. Et sauter encore. C'est tout bon. On pourrait faire la course ici, ce serait marrant. Alors je vais juste faire un truc, je vais baisser le son d'OBS parce que... En effet, les... Voilà, là ce sera mieux. On pourrait faire la course ici. Bon retour. Et donc il y a Antonin qui nous a dit bon retour. Et il y a Tiplouf qui nous dit on pourrait faire la course ici, ce serait marrant. Attrape-moi si tu peux. Pour gagner la course, tu dois attraper ton partenaire avant que le temps ne soit écoulé. Ok. Il suffit que tu sprintes le plus vite possible et que tu le touches. Ok. Et voilà, c'est fait. C'était rapide, hein, les amis. Hein. C'était très très rapide. Waouh, j'ai la tête qui tourne, tu m'as bien eu. C'était marrant cette course. Tiens, tu as gagné quelques baies. Quelques baies, bon, c'est très gentil, c'est très aimable de ta part. Le Pokémon que tu bats à la course deviennent tes amis. Tu recevras aussi des baies. Eh ben, ça, c'est un petit peu la bonne nouvelle qu'on reçoive quand même quelques baies. Ah, j'oubliais, j'ai un cadeau pour toi. Tadam, un carnet Poképark. Ok. Le carnet Poképark enregistre les noms de tous les Pokémon avec qui tu deviens ami. Tu peux aussi l'utiliser pour sauvegarder ton aventure. Ah, ça c'est cool. Choisis sauvegarder dans le menu quand tu veux te reposer. Ouh, Rorona Geek a fait un don de 16,99€, merci à toi. Qu'est-ce qui est jaune et devient rouge en appuyant sur un bouton, un poussin dans un mixeur? Ouais, je sais, c'est dégueulasse. Je t'aime trop, content de te revoir en live. Merci à toi, Rorona Geek, ça fait super plaisir. Merci beaucoup.
Je suis également très content de vous revoir en live, notamment aussi tous les sponsors là que je vois qui ont évolué. Il y en a pas mal qui avaient une Pokéball, qui ont maintenant une Super Ball. Il y en a qui avaient un œuf, qui ont une Super Ball maintenant. C'est assez ouf. Voilà. Et ben merci à tous les sponsors qui soutiennent la chaîne. Choisis sauvegarder dans le menu pour te reposer et plus pour les amis. Ouvre donc ton carnet Poképark. Ok. Ouvrons notre carnet Poképark. Ok, c'est où tes amis? Voilà, type louf. Voilà, c'est bon. Ah, c'est plus joli que sur l'ancien, hein. Ah ouais, c'est pas pareil, hein. Dites donc. Alors, tu as trouvé mon nom? Fais-toi plein d'amis pour remplir ton carnet. Quand l'icône du carnet Poképark s'affiche à côté du nom du Pokémon à qui tu parles, ça veut dire qu'il est ton ami. Si tu ouvres le carnet, tu peux même obtenir des indices sur ce que tu dois faire pour continuer à progresser dans le jeu. Ça, c'est bien. Bon, ça devrait le faire. On devrait s'en sortir. Alors, ah, il y a un truc par là ou pas? Ah non, on peut pas du tout passer par là. Je pensais, hein. Ouh, ah, on va devoir se battre. On va devoir se battre contre Charpentier. Allez, c'est parti, Charpentier. Et vous tombez bien, vous. Je m'entraîne à résister à toutes les capacités possibles. Essaie de me frapper avec ta meilleure attaque. Essaie de lancer tonnerre. Garde 1 enfoncé pour te charger d'électricité, puis relâche le bouton et vlant un coup de tonnerre. Il faut bien viser pour ne pas manquer ton adversaire. Tu peux centrer la vue avec B pour regarder dans la même direction que Pikachu. Ok. Pardon. Pardon, c'était pas ça qu'il fallait faire. C'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Vas-y à fond, frappe-moi avec ta meilleure attaque. On n'a pas compris. On n'a pas bien fait. Alors, il faut appuyer longtemps sur 1. Voilà. Et là, là, on l'a attaqué. C'est parfait. Hey, même pas mal. Aïe, aïe, aïe. Tu peux faire mieux. Je vais te montrer que j'ai pas peur de ton tonnerre dans un duel. Le duel consiste à échanger des attaques. Charge l'ennemi ou utilise tonnerre jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'énergie. Et la victoire sera à toi. Si tu perds si le temps est écoulé ou si ton énergie est épuisée. Ta jauge d'énergie et celle de ton adversaire sont affichées à l'écran. Pour le moment, ça ne change pas du premier. Ah merde, ça l'a pas... Ah ! C'est pas grave. Voilà, on l'a eu. On l'a eu. Oh, c'est trop cool, j'ai mis... Eh, je suis trop fort. J'ai mis mes trucs de dons et de sponsors juste en dessous du timer. Ça, c'est un petit peu la chance. C'est un petit peu la chance parce que j'ai pas du tout testé avant. Aïe, t'es costaud, toi. En fait, ton tonnerre marche bien sur moi. Et j'aime bien les Pokémon forts. Charpentier, rejoins tes amis. Killy a donné 5 euros. Tu connais l'histoire du pingouin qui respirait par les fesses. Il s'assoit, il meurt. Faut que j'arrête avec les dons et les blagues. Je la connaissais celle-là en tout cas, Killy. Merci à toi pour le don. En tout cas, ça fait super plaisir. Viens jouer sur la plage si tu veux. Allez, salut. Là-bas, c'est la plage du Rossac. Allez, on y va. Eh bien, allons-y dans ce cas-là. Allons à la plage du Rossac. La plage du Rossac. Nicolas Zensen a donné 10 euros, merci à toi pour ton don, coucou, j'adore tes vidéos et ta chaîne. Et ben merci à toi Nicolas Zensen, merci en tout cas de m'avoir soutenu. Et pour les gens qui veulent me soutenir tout simplement sans payer, sans rien du tout, n'hésitez pas à juste mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, sur ce live. Ça suffit, c'est suffisant, et oui. Alors je vais me remettre en full cam ici. Pour une raison assez simple. J'ai pas envie de me prendre de droit d'auteur de la part de Pokémon. Puisque je sais très bien que ça c'est ce qui se passait dans le trailer. Donc c'est ce qu'il y avait dans le trailer. Donc j'ai juste pas envie que Nintendo me strike. Oui, parce que j'ai des problèmes de strike en ce moment avec Nintendo. Et c'est aussi pour ça que ça a mis du temps à ce que j'arrive et que je joue à Poképark. Donc là tu vois, je cache un petit peu l'écran. Je me dis que ça va peut-être aller outre un potentiel strike. On va espérer. En tout cas, c'est très beau. Hein, on découvre le Poképark, là, derrière moi. Bon, je ne vous montre pas grand-chose, malheureusement. Je suis vraiment désolé. Et du coup, bah voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu joues sur quelle console? Le jeu est sur Wii. J'y joue, par contre, sur un émulateur sur PC qui s'appelle Dolphin.
tout simplement. Tac, ça fait longtemps que Poké Park 2 est sorti en 2011. Il est sorti en 2011, ce jeu, les amis. 2011, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait quand même un petit peu longtemps. Ça fait un peu longtemps. Allez, on va pouvoir revenir, voilà, à l'écran normal. On est arrivé. J'aime tellement la mer. Allons vite dire bonjour aux Pokémon sur la plage. Ok, Tiplouf, pas de soucis. On va y aller. Alors, faut dire bonjour. Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a un attroupement là-bas. Il y a littéralement deux Pokémon. Allons voir. Ok, Tiplouf, pas de soucis. Nous allons aller voir. Mais qui peut être à l'origine de cet attroupement? Par contre, est-ce que j'ai le droit de bouger à un moment? Oui, totalement. Allez, c'est parti. Allons voir cet attroupement. Approchez et approchez. Venez vous amuser dans l'incroyable parc des vœux d'eBay, l'entrée. Allez, venez tous. Le parc des vœux, c'est super top. Le parc des vœux? C'est quel genre d'endroit? Un endroit où l'on s'amuse tellement que l'on en oublie le temps qui passe. On peut y jouer à des attractions sensationnelles. Mais en plus, après, on peut manger des gâteaux à volonté. Des gâteaux? Tout plein. J'y vais, en route pour le parc des gâteaux. Allons, calme-toi, Grinfrex. Grinfrex, j'ai appelé. C'est le parc des vœux. Ça doit être un endroit bien étrange. Voulez-vous nous servir de guide? Moi aussi, je viens. C'est mon rôle d'examiner chaque recoin de tout nouvel endroit. Très bien, très bien. Allez, parc des vœux, départ imminent. Bah, on y va au parc des vœux, alors? Le parc des vœux. Et si nous allions le voir? Eh bah, allez, on y va. Allons au parc des vœux. Déjà, dans un premier temps, laisse-moi prendre cette baie. Ok, ensuite, on va aller taper le cube. Parce que moi, j'ai vu qu'il y avait un cube, donc je le prends. Hop, il y avait une baie à l'intérieur. Salut, Tiplouf. Alors. Oh. Oh. Bah, c'est plus Tiplouf. C'est Moustillon. C'est un Moustillon. Plus un geste. Pokémon non identifié. Et toi, au poil zone, au poil tout zone, qui es-tu? Il est parfaitement identifié, enfin, c'est mon ami Pikachu. Nous visitons la plage du Ressac ensemble. Tu es un ami de Tiplouf? Alors tout est en ordre. Moi, je suis Moustillon, faisons un ami-ami. Bon, revenons à nos Watt-Watt. T'aurais pas 10 baies pour moi? Je sais pas si j'ai 10 baies. Hein, bien sûr que non, tu ne peux pas donner tes baies comme ça. Ah bon, tant pis, j'irai les ramasser moi-même. Je suis pas n'importe qui, moi. Les baies, je les récolte en un éclair. Allez, à bientôt. Je sais même pas combien j'ai de baies. Chipette42 a donné 2€, merci à toi. Super que tu fasses Poké Park 2, continue comme ça. Merci à toi, Chipette42, ça fait super plaisir. J'espère que tu kiffes. Eh bien, Moustillon a l'air bien occupé. Je me demande ce qu'il fait. Ah, j'en oubliais presque le parc des vœux. Allez, Pikachu, on y va. On y va, let's go. On peut passer par là, y'a quoi? Y'a un truc caché là? Ah, hé hé. Eh ben non, on ne peut pas passer par là. Alors, monsieur Tiplouf. Ah, ça doit être là-bas le parc des vœux. Allez, allons-y. Coucou escroco. Et nous aussi on veut aller au parc des vœux. Oh, c'est toi, Tiplouf? Et lui, c'est un de tes amis? Hop, je prends vos 20 baies et je vous ouvre le portail. D'accord. Je savais même pas qu'on avait 20 baies, mais c'est pas grave. Mascaïman! Il est trop mignon. J'adore. Mascaïman! Wow! Je pense qu'il faut sauter dedans, hein. Wouhou! Sympa! Chargement. Eh, hey, joli comme écran de chargement. Très sympa. Tu es toujours avec Dallas? Bien sûr que je suis toujours avec Dallas. Oh! Bah, c'est le kill ending! Wow! Wow! C'est joli en tout cas.
Il va sûrement te plaire ce jeu. J'espère. J'espère qu'il va me plaire. Il faut savoir que Poképark, j'en attendais rien et qu'au final, je l'ai kiffé. Donc quand même. Ça fait un an, oui, qu'on a lancé le premier Poképark, hein, les amis. Hein. C'était l'été dernier, hein, je vous rappelle. Hein. Et je vous avais promis que je ferais Poképark de cet été et j'ai tenu ma promesse. Eh oui, je tiens mes promesses de temps en temps. Incroyable! Des gâteaux partout! Et le sol, on dirait qu'il flotte dans les airs! Je ne pensais pas qu'on trouverait un endroit pareil de l'autre côté de la plage! Bonjour! C'est bizarre comme lieu quand même. C'est pas très le monde des vœux, c'est plus le monde des cauchemars, mais bon. Soyez les bienvenus au parc des vœux! Bonjour madame! Le parc des vœux, c'est un sacré drôle d'endroit. Vraiment? Sachez qu'il est drôle dans tous les sens du terme. Allez donc, amusez-vous, si vous voulez bien avancer un peu. Ouais. Alors, pourquoi j'aime bien Poképark aussi? Parce que ça me donne l'occasion de faire plein de voix différentes aux personnages, et je kiffe. Gaël Franc a donné 2,29€, merci à toi, tu fais rire quand tu changes ta voix pour lire. Eh ben justement, hé, quel timing Gaël Franc, mais dis donc, j'en parlais et tu en parles, c'est assez ouf. Bon. Ok, bon on va suivre, hein. On va vous suivre, hein, madame. On va vous suivre, tout simplement. Ah, il y a Miradar, Gouinfrex et Pashmila. C'est trop génial! C'est le coin le plus chouette de tout le Poképark! Je suis contente qu'il te plaise! Mais si, ce n'est plus le Poképark! Vous êtes au parc des vœux! Et c'est un autre monde! N'est-ce pas merveilleux? Profitez, jouez, oubliez les limites! J'aimerais vraiment montrer aux attentifs un endroit si incroyable! Nous recevrons avec joie les nouveaux visiteurs! Le gâteau, c'est par où? Alexandra Level t'a donné 5€ et me dit contente de te revoir en live. Tu vas adorer ce jeu. Moi perso, je l'ai fini en une journée. J'ai pas pu m'arrêter avant d'avoir fini. Wow! Ok, très bien. Et on a un autre don, mais qui n'est pas apparu. Donc du coup, je vais le faire réapparaître. Enfin, si je peux. Je sais pas si je peux, on va voir. C'était Roronagi qui nous disait: veux-tu des chips goût barbecue? J'aime pas trop les chips avec des goûts. Moi, je prends des chips allégés parce qu'on sent beaucoup plus la pomme de terre en fait. Plutôt que les chips avec des goûts. Pour les douceurs, faites donc un tour à l'attraction de Took Tant Qu'à Faire. Elle est située après la pente, une fois que l'on a traversé le pont. Très bien. Allons-y, Pikachu. Par ici, je vous prie. Ok. Eh ben, je te suis, ce que t'es là. Ok, oulala, il va falloir aller voir monsieur là. Salut! Je veux jouer encore une fois! Encore? C'est pas la 20e fois d'affilée! 20 fois? N'importe quoi! Ça sera la 23e! Tu peux m'épargner ton cinéma? Tu veux vraiment jouer encore? Mais c'est tellement drôle! Et en plus, on peut manger plein de gâteaux! J'ai pas le choix, c'est ça? Ça a l'air très populaire par ici. On essaye nous aussi? Dans ce cas, demandez donc l'autorisation à Tout Tant Qu'à Faire. Je dois me charger de guider les nouveaux arrivants. Il va nous demander des baies à tous les coups. À tous les coups, il va nous demander des baies. Salut toi. Soyez les bienvenus. Nous sommes Tout Tant Qu'à Faire, le chef d'attraction. Dans notre attraction, vous pouvez confectionner des pâtisseries. Pâtisseries que vous pouvez emporter avec vous. Allez, profitez de la fabrique des douceurs. Ok, Tout Tant Qu'à Faire. On y va. Alors, fabrique de douceurs. Vise les ingrédients et tire dessus pour faire plein de délicieux gâteaux. Joue en tenant la télécommande Wii à la verticale. Déplace le curseur. Alors attends, bah, va falloir que... Hop, voilà. Je mets bien le capteur. Déplace le curseur à l'écran en bougeant la télécommande. Ok. Vise les ingrédients des gâteaux avec le curseur et tire en appuyant sur A. Ok.
Choix du Pokémon. Bah, on n'a pas trop le choix. Commencer l'attraction, oui. Ok. Ok, ok. Vise le centre en appuyant sur A. C'est bon, ça me semble bon. Alors, partez. Oh, c'est facile. Ah, il y en a deux. Ah, d'accord, ok. Ah ouais. Salut NT, tu as trouvé des Poxipi et Negapi Shiny. Ouais, j'ai deux Negapi. J'ai deux Negapi et un Poxipi Shiny. Alors attendez, va falloir que je lise là tous les commentaires qu'il y a eu parce que... Ok. 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 Ah! Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeu est tellement bien, oh nostalgie quand tu nous tiens. Merci à toi en tout cas pour ton don, ça fait super plaisir. Ok. Fini. Je sais pas si j'ai fait un bon score ou pas. J'ai essayé mais je sais pas si j'ai fait. Il y a Volumix56 qui a sponsor la chaîne. Merci à toi Volumix, ça fait super plaisir. 11 200. Bah, je pense que c'est bien. Je pense vraiment que c'est bien. En tout cas, il était cool, j'ai bien aimé ce petit jeu. Je sais pas si vous avez kiffé ce petit jeu, mais moi j'aimais bien. Ça, on voit qu'il y a eu une évolution par rapport au premier opus, tout simplement. Moi aussi, j'ai des dons de pâtissier, et maintenant, dégustation. Non ! N'y touche pas ! Qu'est-ce qui se passe ? Tous ceux qui ont goûté à ces gâteaux sont devenus bizarres. Mistrom45 a donné 2,10€. C'était ce week-end, mon anniv. Et tu es un cadeau, NT. Eh ben écoute, bon anniversaire, Mister Rom, ça se dit comme ça. Eh ben bon anniversaire à toi. Tous ceux qui ont goûté à ces gâteaux sont devenus bizarres. Je pensais garder les miens pour plus tard. Pas comme Flotajou. Il a mangé tous ces gâteaux. Et regardez dans quel état il est. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Ne partez pas, il y en a pour vous aussi. Vous ne quitterez jamais le parc des vœux. Alors je pense qu'il faut vite quitter le parc des vœux. Ya. Ok. Il va falloir faire très très attention. Je vous rappelle que si vous vous abonnez à la chaîne, bah déjà vous pourrez suivre les lives, tout ça, machin, tout ça. Et il y a votre nom qui va s'afficher tout en haut. Il y aura marqué un petit plus avec votre nom pendant une fraction de seconde, mais ça sera affiché. Comment qui êtes-vous? Moi, c'est Moustignon. J'enquête sur des Pokémon disparus et les indices mènent ici. Vous êtes qui? Pourquoi vous emmenez les Pokémon? Répondez! Notre rôle est de satisfaire les désirs de chacun. Voyez toutes ces mines réjouies. Ils sont pas réjouis, ils sont hypnotisés. Ça, des mines réjouies, c'est plutôt parce qu'ils mangent en vos douceurs douteuses. Il faut avertir que l'amiral, pendant que je m'occupe de tant qu'à faire, régler leur compte au tout à fait. Vous resterez au parc des vœux pour l'éternité. Tout à fait, en avant. Ok. Pikachu, montre-leur qui tu es et avec ta queue de fer. Ok, certains duels ont des conditions de victoire spécifiques qui s'affichent. Remplis-les pour gagner. Secoue la télécommande Wii pour utiliser queue de fer. D'accord, donc il va falloir utiliser queue de fer. Bat tous les tout à fait, ok. Et il faut utiliser... Ok. Il faut donc que j'utilise queue de fer, j'imagine. Bon bah c'est bon. Il y avait ma vie juste ici. Ça c'est un peu dommage. C'est dommage que la vie s'affiche là. Parce que je vais pas pouvoir trop me déplacer
C'est pas grave. On sera un petit peu en mode... En mode on sait pas trop combien de vie on a. Tout en qu'à faire, tu devrais ramper de honte. Non, pas tonton qu'à faire, tout en qu'à faire. Ramper de honte, c'est qui là-haut? C'est Giratina. Ouais, c'est Giratina. Toutes nos excuses, oh maître! Pas un seul Pokémon du Poképark ne doit pouvoir nous échapper! C'est qui? Moi je dirais que c'est Giratina comme ça, de visu comme ça, mais j'en sais rien. C'est Darkrai? C'est Darkrai, non? C'est Darkrai ou c'est Giratina? Oh là 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 là! Ça fait peur! Ce serait Darkrai, hein. Je pense que c'est Darkrai. Bon, allez, courez vite! C'est dommage que cette phase-là, ce soit pas une phase où tu dois justement faire de la plateforme et éviter les mains. Non, Tiplouf! Oh non, Tiplouf, il s'est sacrifié pour nous! Non! Oh là là! Ah bah non! Ah non, là c'est triste! C'est très la tristesse! Bah non, Tiplouf! Béga! Béga, béga! Béga, béga! Béga, du! Je le fais bien! Moustillon. Ils sont trop drôles, je kiffe leur voix. Je me rappelle pas qu'il y avait les voix comme ça dans le 1. Nous devions ramener les autres. Au lieu de ça, on a perdu Tiplouf. Et en plus, ce portail est fermé. Comment faire pour l'ouvrir? Nous devons tout faire pour secourir Tiplouf et les autres. En fait, le sage de la région, Clamiral, m'a demandé d'enquêter sur la disparition récente de plusieurs Pokémon. Il saura quoi faire de cette histoire, j'en suis sûr. Je pars tout de suite lui faire mon rapport. Tu viens avec moi? Bon, allez, Moustillon, on y va. Par contre, ce serait bien que tu sois plus rapide, en fait, Tiplouf. Ah, j'imagine qu'il faut aller au point rouge sur la minimap. Oh, elle est cool, cette minimap, dis donc. J'entends quelqu'un. Aïe. Excusez-moi. Hop. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'était. Très bien. Vous pensez que c'est par là qu'il faut aller voir le sage? J'imagine, hein. C'est par ici. Gibby nous fait un don de 2€, merci à toi. Il nous dit pas eu le temps de faire plouf, Tiplouf. C'est un jeu de mots. Le sage Clamiral se tient toujours par là. Ok. Bah, j'imagine qu'il est là derrière, du coup, sur le point rouge. Salut Clamiral. Il est joli, hein. Dites donc. Ah, Moustillon, tu es de retour. Dis-moi ce que tu as découvert. Tous les Pokémon disparus sont dans un lieu nommé le Parc des Vœux. On peut y aller via un portail qui ressemble à une affiche située sur la falaise au bout de la plage. Impossible. Le parc des vœux? Tu aurais dû... Tu aurais vu de tes propres yeux le légendaire parc des vœux? Moustillon, je sais que tu es digne de confiance, je te crois, sur parole. Bravo, tu as bien travaillé. Mais dis-moi, qui est ce Pokémon à tes côtés? Il s'appelle Pikachu. Il était venu s'amuser sur la plage du Ressac. Son ami Tiplouf s'est sacrifié pour que nous puissions nous échapper du parc des vœux, et il est resté prisonnier de l'autre côté. Pauvre Tiplouf, cette histoire m'attriste. Jeune Pikachu, nous faisons face à une vague de disparitions parmi les habitants de notre zone côtière. Dis-moi, serais-tu d'accord pour prêter main forte à Moustillon dans son enquête? Mais, monsieur Clamiral, je suis capable de résoudre cette affaire sans l'aide de personne. Moustillon, j'admire ta valeur, mais sache qu'il est des choses qu'on ne peut pas accomplir seul.
Tu peux te jeter à corps perdu dans cette enquête, mais pourquoi refuser de donner sa chance à Pikachu? Faites donc un duel. S'il gagne, tu devras reconnaître sa valeur et accepter qu'il t'accompagne. Pikachu, fais-moi cette faveur. Ok, pas de souci. Moi j'y vais direct, hein, y a aucun souci. Très bien Pikachu, je te propose un duel. Commençons, mais pas ici, nous risquerions de nous blesser. Allons dans un endroit plus dégagé. Ok, allons dans un endroit plus dégagé. Ah c'est ici, ça commence direct. Allez, 3, 2, 1. On va charger notre attaque. Ah! Ok, d'accord, il nous a quand même attaqué, c'est pas très grave. Salut. Ouh! Voilà, je l'ai mis KO juste en lui faisant des petites charges comme ça. Aïe aïe aïe, tu m'as bien battu. Qu'est-ce que t'es fort? Bien, mon intuition était bonne. Pikachu, tu as un grand potentiel. Moustillon, il y a une limite à ce qu'un Pokémon peut faire tout seul. Mais si vous unissez vos forces, vous pourrez tout surmonter. Ok, merci Clamiral. Monsieur Clamiral, je crois que j'ai compris. Moustillon est devenu ton compagnon. Yes. Travaillons ensemble, Pikachu. À partir de maintenant, nous formons une équipe. Nous ne nous quitterons pas avant d'avoir sauvé Tiplouf et les autres. Je suis content que vous vous entendiez bien. Reprenons la discussion là où nous l'avions laissée. Pour comprendre ce qu'il se passe, vous devriez chercher Escroco et Mascaïman. Ils doivent savoir quelque chose. Demandez donc aux Pokémon de la plage s'ils savent où sont ces deux-là. Allons-y Pikachu, personne ne connaît mieux la plage que les Mambo. Moi, je peux nager, alors laisse-moi aller leur parler. À partir de maintenant, Moustillon t'accompagne dans l'aventure. Sélectionne-le si tu veux te déplacer à la surface de l'eau. Appelle-le avec A, puis bouge vers la gauche ou la droite avec machin. Ok. Ok. Les Mambo sont au large. Tu ne sais pas nager, n'est-ce pas? Laisse-moi faire. Sélectionne Moustillon pour nager. Appuie sur A. Ok, ok. Ah d'accord, ils veulent que je le fasse direct. Bon, on va le faire direct. Allez, on va appuyer sur A. Choisir. On choisit Moustillon. Pikachu, suis-moi. Et lorsque tu marcheras devant, ce sera à mon tour de te suivre. Moustillon utilise des capacités de type eau. Appuie sur 1 pour te concentrer et relâche pour utiliser pistolet à eau. Secoue la télécommande Wii pour un coquillame. Ok. Donc ça veut dire que là je peux aller dans l'eau? Non, pas tout de suite. Très bien. Je pense qu'on doit aller vers la plage d'abord. Eh, hey, c'est quoi ça? Bloc aiguise. Qu'est-ce qu'il a lui? Eh, hey, arrête-toi. Laisse-moi te parler! Eh! Hey! Mais il est relou! Mais oh! Je veux te parler! Tu fais la course ou quoi là? Oh là, il est relou! Mais c'est trop dur, il y a un timing ultra précis pour pouvoir lui parler. Ah c'est bon. Salut, moi j'aime bien la plage, parce que je viens d'un endroit où il y avait que des rochers. Dis, on fait une course, tu veux bien? Oui, c'est parti, faisons une course. Hurrah, alors je pars devant, rattrape-moi. Allez, c'est parti. Et voilà, c'était facile. C'était facile et du coup on va devenir amis avec lui. Et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est très très cool. Si Pikachu peut nager, Pika surf. En effet, CM Panda, t'as totalement raison, Pikachu devrait pouvoir nager. Hé, hey, bien joué, c'était une super course. Ah, mon grand frère Incisage va bientôt arriver. Il a l'air d'un dur, mais il est sympa, à plus tard. Donc Coupenote a rejoint mes amis, ça c'est cool. Hein. Et du coup, il est où son pote Incisage? Ok, il est sur la berge. Très bien. Du coup... Bah, est-ce qu'on irait pas voir Incisage directement? Il était par là, non? Ah non, il y a juste Coupenote. Il n'y avait pas Incisage par là? Bah, je sais pas où il est.
Très bien. Bref, on voulait aller voir les Mamambo, nous. Alors, où est-ce qu'ils sont, les Mamambo? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un pot. Ok, très bien. Alors, des Mamambo. Bah, ils doivent être dans l'eau, du coup, les Mamambo. J'imagine. Waouh, trop cool. Il y a une plume ici. Ça sert à quoi? Plume blanc ray. Y a rien là au-dessus. Bon, on explore, hein. On explore. J'imagine qu'on peut pas aller au-delà des bouées. Ah, il y a Mamambo, voilà. Mamambo est juste là. Salut. Aïe, désolé. Oh, Moustillon, quel bon vent t'amène. Comment Mascaïman et Escroco, je vois. Bats-moi à la course et je te dirai tout ce que je sais. Allez, c'est parti. Commençons, attrape-moi si tu peux. Écoute, je vais y arriver, t'inquiète pas Mamambo. Tout va bien se passer. Voilà, c'était easy. C'était easy. Tiens, me voilà rattrapé. Je vais donc te révéler ce que je sais. J'ai entendu Mascaïman et Escroco parler d'attirer les Pokémon du vieux port au parc des vœux. C'est terrible. Les Pokémon du vieux port sont en danger. Merci, Mamambo. Tiens donc, était-ce quelque chose de sérieux? Tu connais le chemin du vieux port? Il suffit de suivre la route qui monte à travers la falaise. Ok, la route qui monte à travers la falaise. Eh ben écoute, on va aller par là, hein. Mais ne cours pas trop vite, tu risques de te blesser, fais attention. Mamambo a rejoint tes amis. Bon, ça c'est plutôt très bien. Oh! Viscus vient s'amuser. Superbe. Alors. Il y a encore un coffre par là, là. Bloc aiguiseur 2. On va peut-être... Impossible de changer de Pokémon ici. Ah ouais? Voilà, là on peut changer de Pokémon. Très bien. D'accord, il y a des zones dans lesquelles on peut changer de Pokémon et d'autres où on ne peut pas changer de Pokémon. Salut toi, qui es-tu? Nous avons rendez-vous ici. Je suis arrivée la première. Voilà. Je la fais chanter, je la fais parler en chantant parce que... Vu que c'est Marakashi et qu'elle fait des maracas... Ah, il va pas vouloir... on n'est pas assez discret ou quoi. À moins qu'on puisse... Ah non, carrément, il nous fait mal. Très bien. On a un rat attentif par contre par ici. Dis, t'aurais pas vu notre ballon? Il est de toutes les couleurs, bleu, rouge. Ah bah si, 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 ouais, c'est bon. Tu trouveras parfois des objets sur le sol. Puis sur deux pour les transporter. Très bien. Donc là, je vais pouvoir lui ramener son ballon. C'est très cool. Son ballon, il était là. Hop. Et donc là je porte. Et c'était à celui-là qu'il fallait que je le ramène, je crois. C'est celui qui était là-bas. À la fin de la semaine, NT n'a plus de voix. Eh, c'est fort probable, hein. C'est grave, grave probable, les amis, que je n'ai plus de voix à la fin de la semaine. Ah, le ballon que je cherchais. Et tu me l'as rapporté, merci. Ratentif, rejoins tes amis. Et voilà, ça fait plaisir. Il n'y a pas que de ballon. Si tu donnes à un Pokémon un objet qu'il aime, il sera ravi. Je vais le répéter aux autres pour que tous les attentifs du Poképark deviennent tes amis. J'espère qu'on pourra jouer au ballon bientôt. Ok, pas de soucis, attentif. Donc il faut qu'on prenne le chemin qui monte. Ouh, je pense que là on peut... Yes, c'est bien ce que je me disais. Ah, c'est dommage parce qu'on voit pas le compteur de... On voit pas le compteur de baie. Faudra que je gère ça sur le prochain live. Après, je peux peut-être me mettre, tu sais, juste un tout petit peu comme ça, mais... En théorie, tu vois, je peux me mettre comme ça, mais c'est pas ultra beau. Donc on verra au prochain live. Eh, mais c'est toi, Pikachu, tu es avec Moustillon aujourd'hui. Quoi? Pauvre petit plouf, tu dois passer au plus vite. Tu dois passer au plus vite? Ok. Mais le promontoire droit devant est endommagé. Ah ok. Pourrais-tu attendre le temps que je le répare? Ah je sais, tu vois le phare là-bas. Alors le phare, ok ouais, c'est ça le phare, très bien, je vois jusqu'à maintenant.
Si j'avais le marteau qui est caché dans ce phare, je pourrais tout réparer en un clin d'œil. Vous voulez bien aller me chercher ce marteau? Vraiment, merci, je vous fais confiance. Ok. Bon, ça devrait être assez simple d'aller chercher le marteau. Même si je pense qu'il y a un Pokémon qui va nous dire « Non, non, je ne te donne pas le marteau, enfin à moins que tu me battes. » Il va y avoir un truc dans le genre, tu vas voir. C'est 100% sûr. Entrez dans le phare, oui. Mets-toi de l'autre côté sinon. Je peux me mettre de l'autre côté, mais je sais pas encore s'il y a des indications de l'autre côté, donc on va voir. On va voir ce qui est le plus intéressant. Ce mécanisme peut être activé grâce au tonnerre de Pikachu. Grâce à un garde un enfoncé pour... ok. Mais c'est trop cool, il y a des petites phases de plateforme et tout. C'est totalement différent du premier. Hein. C'est ouf. On a du temps. Non, me dis pas qu'on a du temps. C'est génial, j'adore. J'adore, je kiffe. Merci beaucoup. Merci Poképark. C'est bien mieux qu'avant. 3, 2, 1, c'est parti. Faut que je prenne Tiplouf. Faut que je prenne Tiplouf. Ah, ok, d'accord. Ça va être compliqué, hein. Ça va le faire quand même. Ok. Tu as trouvé le marteau. Yes. Ah cool. Ah j'aurais dû prendre la baie avant en fait. Chargement. Bon alors ça c'était facile. Mais il y avait d'autres étages dans le phare là. Et d'autres trucs. Ça se trouve on va devoir y retourner à un moment. C'est sûr on va devoir y retourner. 100% on va y retourner. Ok, donc retournons voir notre ami. Et cette fois-ci, on lui dit qu'on a le marteau. Et ça ira très très bien. Ah, il y en a qu'une là. Aïe. Ah non, il y en a deux. Il n'y en a que deux. Ah non, il y en a une troisième là. Ah bah voilà. Alors, Charpentier, c'est bon, on a trouvé ton marteau. Le marteau, merci, le promontoire sera réparé en un rien de temps. Eh ben c'est génial, hein. ça fait plaisir. C'est quoi un promontoire? C'est un genre de pont? C'est un truc dans le genre? Je sais pas du tout, hein. Je sais pas du tout ce que c'est un promontoire. Vous pouvez y passer sans aucun risque maintenant. Au fait, hein, vous allez au vieux port, c'est ça? Ouais. On va à Marseille, au vieux port de Marseille. Feu Forêve y a ouvert une boutique de photos. Wow! Me dis pas que j'ai le hockey, me dis pas que j'ai le hockey. Non, c'est bon. Feu Forêve y a ouvert une boutique de photos. Allez lui rendre visite. Bon, à la prochaine. J'espère que vous trouverez vite Tiplouf. Pas de soucis. On devrait s'en sortir. Par contre, j'ai pas envie de. La boutique de photos, c'est nul. Si c'est comme dans le premier, là, c'est nul. Bien sûr qu'il y aura une rediff, les amis. Bien sûr qu'il y aura une rediff. Qu'est-ce qu'on a dedans? 100 baies! Ah ouais! On a combien de baies? Attends, on peut regarder, on peut savoir. On a 171 baies, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Dites donc. Ouais, le problème c'est que si je me mets à droite, il y a la minimap à droite, tu vois. Donc ce serait compliqué aussi. On peut pas non plus. On verra, on verra. Avancer, oui. Allez au vieux port. Dans la zone côtière. Oui, bien entendu. C'est sur quelle plateforme? C'est sur Wii. C'est sur Wii, chers amis. Je joue avec la Wiimote. La Wiimote. Vieux port. Oh, c'est plus joli que le vieux port de Marseille. Hein. Dites donc. Pas casser des caisses, non. Alors ça, ce truc là, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment avec ce truc là? Est-ce qu'il y a un endroit où il faut l'amener? Est-ce qu'il va s'ouvrir au bout d'un moment? Je sais vraiment pas, hein. Peut-être quelqu'un qui l'a perdu ou un truc dans le genre. Bref, on sait pas trop, donc on verra plus tard. On le saura au bout d'un moment de toute façon.
Ah, tu tombes bien. Figure-toi que j'ai trouvé un vrai petit trésor tout à l'heure. Regarde cette belle pierre qui brille de mille feux. C'est un cadeau idéal. Je te la cède pour seulement 100 baies. Allez. Ah, tu as l'œil, ça se voit. Si tu as besoin d'autre chose, appelle-moi. Miaus rejoint tes amis. Ok. Chaque ripan vient s'amuser. Est-ce que je me suis fait arnaquer? Bonne question. Sur la Wii ou sur Wii U? C'est sur la Wii. C'est sur la Wii, les amis. Ah, mais. Tu crois qu'il faut que je la donne à chaque ripan? Attends, lui il est vénère. C'est peut-être lui. C'est peut-être non mais oui qui en a besoin. Tu me dis que tu veux devenir plus fort. Tu as bien raison. L'énergie c'est toujours utile. Je propose un entraînement spécial pour accroître l'énergie. Mais se dépenser ça creuse. Alors je vais te demander de me donner quelques baies. Qui veut s'entraîner? Pikachu. Alors ce sera 100 baies. Ah ouais, non. On n'a pas suffisamment. Ah, on n'a pas suffisamment là. Non. Arrête, je veux pas entraîner. Je veux juste récupérer mon bijou là. Voilà, merci. Salut toi. C'est pour moi? Oui. Merci. Rien que de regarder ton cadeau, j'en ai chaud au cœur. C'est tout? Merde. Tu as quelque chose d'intéressant pour moi? Oui, je suis désolé, j'ai pris trop d'élan et voilà le résultat. Moins 71 baies? Je t'ai bien eu. What? Mais tu te fiches de moi, toi? Attends. Oh. Non, mais il a cru quoi, là, chaque ripan? Putain, il court vite. Est-ce qu'il va tourner à droite? Non, il continue là. On va y arriver. Je vous le dis, on va y arriver. Il reste 27 secondes. Ah! Mais non! Merci à Pavelson qui est devenu sponsor. Mais non! On courait pas assez vite. Ah non! Perdu, quel dommage. Mais tu me fais pitié avec ta trisomie. Tiens, je te rends tes baies. Ah, bon alors ça va. Mais si tu ne fais pas plus d'attention, je risque de te chaparder encore. Encore une fois. Ah ouais, d'accord. Bon, on voulait aller à la boutique de photos. Ils nous ont dit d'aller à la boutique de photos. Je suis bien ennuyé. Avec tous ces événements, voilà la chance de photographier le scoop de l'année. Mais sans petit moteur, mon appareil photo ne peut pas fonctionner. Il me semble pourtant que je l'avais quand j'ai pris des clichés depuis le toit du studio photo. Dis-moi, tu ne l'aurais pas vu Non, je l'ai pas. Si seulement j'avais mon petit moteur. Peut-être que je l'ai laissé tomber sur le toit la dernière fois. Ok. Il va falloir monter sur le toit. Comment on fait? Ça c'est la question. Est-ce qu'on peut rentrer dans les maisons? Non, bien sûr que non. Excuse-moi, j'ai pas fait exprès, Raichu. Alors par là on descend, donc on va pas du tout sur le toit. Ah, ils vont nous dire qu'on n'a pas le droit de passer là, j'imagine. Pain! T'as du cran de rentrer sur notre territoire! Ben, c'est moi, en effet, quel cran. Mais on ne va pas te féliciter non plus. Si tu veux passer ici, il va falloir nous affronter. Tu te sens à la hauteur? Oui. Voilà les règles du duel. Il faut d'abord nous montrer que tu as de la force d'atteindre le coffre qui est au bout, tu vois? Ok, coffre qui est tout là-bas. La force d'atteindre le coffre? Mais ce n'est pas tout. La deuxième partie de l'épreuve commencera alors. Voilà, en gros, sur le chemin du coffre, tu devras faire face à la puissance de l'équipe écrapin. C'est des super attaques. Alors, on peut y aller? Ok. Bon, ça devrait être facile. Ah ouais. Ok, très bien.
C'est bon, on a atteint le coffre. Wow, d'accord, ok. Très bien. Ok. Ok, c'est pas mal. Bien joué, mais le vrai défi commence maintenant. Ce sera un duel. Allez, patron. Ok. Ok. Aïe! Putain, il fait mal quand même. Ok. Aïe! Il va nous tuer, il va nous tuer. 100% il va nous tuer. C'est bon. Ça s'est joué à ça. Regardez notre vie, elle s'est jouée à rien du tout. C'est ouf. Il nous restait rien. Mais prends Pikachu, ouais j'aurais dû prendre Pikachu, certes. Mais moi je voulais un petit peu de challenge, vous voyez. C'était très fort, notre épreuve s'arrête ici. Pimpin, tu peux passer comme tu veux maintenant. Ok, merci. Du coup maintenant on a 101 baies. C'est très bien. Je vous rappelle les amis, n'hésitez pas à laisser un petit like si vous kiffez ce let's play sur Poképark. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Surtout d'activer la petite cloche si vous voulez eh bien ne pas rater les prochains lives et les prochains épisodes. Tout simplement. Hop. Alors, on va aller chercher ce petit coffre. Eh. Eh. Eh, pourquoi j'arrive pas à le... Sérieusement? Ah, voilà. Bon, c'était bizarre. Ah, ok. Il y a quoi là-dedans? Regardez. Si tous les Pokémon sont en colère. Si tous les Pokémon sont en colère, glisse 100 baies dans la boîte. Veux-tu les mettre? Non. Allez, tous les Pokémon ne sont pas en colère. Ça te permet de faire que tes Pokémon ne sont plus en colère, c'est ça? Ça, on peut le casser, non? Il y a un truc par là. Mais je peux pas y aller. Ok, très bien. Bon. On va revenir sur le truc principal. Je vous rappelle qu'il fallait monter et qu'on aille chercher la pellicule. Et on en est loin pour le moment de la pellicule. Je pense que peut-être il faut... Alors attendez, je suis pas sûr. Pour monter là-haut, est-ce qu'il faudrait pas passer par là? Dans un premier temps. Hein? On va voir, on va essayer de comprendre. Déjà, bah ça je veux bien le récupérer. Qu'est-ce que c'est? Ah bah super le joyau. C'est-à-dire que mon joyau que j'ai acheté, en fait, je pouvais l'avoir là. Très bien. Ah voilà, c'est par là qu'il faut monter. Ok, 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 yes. Ah, il y a Mushana là-bas. On ira voir Mushana après. Petit moteur, ça c'est cool, on a récupéré le petit moteur. Attends, il y a une plume là. Récoltons la plume. Ok, plume blanc réel. Oui, c'est à quel sujet? Les rêves. Oui, lorsqu'on rêve, il est possible de visiter le parc des vœux. Tout le monde pense que cet endroit n'existe que dans les contes de fées. Mais je m'y suis déjà rendu plusieurs fois en rêvant. Peut-être que je devrais te parler de ce que j'y ai appris. Oui. Oui, c'est à quel sujet? Bon bah y'avait... Elle me dit pas plus de choses, c'est dommage. En tout cas, elle rejoint mes amis, donc ça c'est cool. Merci Mushana, ça fait plaisir. Salut vous. Pour éviter l'excès de soleil, j'ai déménagé au vieux port. Les pois chijons préfèrent le bord de mer, on dirait. Ce n'est pas un hasard si on se rencontre ici aussi. On fait la course? Allez, on fait la course. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. On va faire la course jusqu'où? Ok.
Et voilà. Eh, j'ai retenu de mes erreurs du premier opus, hein. Faut attendre un peu loin, tu les attaques, et après tu peux le récupérer. Quelle vitesse étourdissante! Il faudra absolument recommencer. Je vais porter la bonne parole à mon frère et ma sœur. Comme ça, tous les Colombos du Paquet Park seront tes amis. Merci Colombo, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Est-ce que Chakripan, il voudrait pas genre un... Est-ce que... Impossible de changer de Pokémon ici? Quoi? Eh, calme-toi toi, Chakripan, là. Là, on change de Pokémon. Ok, on va reprendre Pikachu. Reprenons Pikachu. Pikachu, il court plus vite, déjà. Mia, c'est un cadeau pour moi? Oui. Je suis si contente, j'aime tout ce qui brille. Et voilà. J'ai pris trop d'élan et voilà le résultat. Elle me prend 100 baies. Superbe. Bon, cette fois, on va essayer de la voir. Avec Pikachu, ça devrait le faire mieux. Pikachu, il court plus vite. Enfin, il me semble. Ouais, Pikachu, il court plus vite que Tiplouf. En effet. Je vois qu'il y a des gens dans le chat qui se plaignent du fait que je fais plus de vidéos classiques, enfin de let's play. C'est quelque chose, enfin, je vous en avais parlé, hein, je vous avais fait une vidéo pour vous parler de ça, pour parler du nouveau planning, du nouveau programme, et que maintenant les let's play se feront en live et plus en vidéo en fait, à part pour les jeux principaux de la saga Pokémon, par exemple Let's Go, mais sinon, il n'y aura plus vraiment de let's play en vidéo, ce sera des lives. C'est vraiment quelque chose que j'ai voulu faire de manière à ce que je puisse faire des vidéos individuelles plus originales. Voilà, pour répondre à ça. Pour répondre à ce que vous dites dans les commentaires. Oh, je suis désolé, tu ne vas pas te fâcher pour une petite blague. Je suis ton ami, n'est-ce pas? Et je te rends même tes baies. Bon, déjà, c'est bien, tu me rends mes baies. Et Chakripan me rejoint. Donc, ça, c'est super cool. Hihi, tu me pardonnes, hein? Merci, quelle gentillesse. Ok. Donc, on va aller ramener la pellicule maintenant. Je suis bien ennuyé avec tous ces événements. Voilà la chance de photographier le scoop de l'année, mais sans petit moteur. Oui, j'ai un petit moteur, ne t'inquiète pas, Feu Forêt, ne t'inquiète pas. J'en ai trouvé un de petit moteur. Mais c'est un petit moteur! Que tu es gentil de m'en apporter un. Encore tous mes remerciements. Petit moteur, moins un. Bref, rejoins tes amis. Merci. Au fait, sais-tu comment prendre des photos? En appuyant sur moins, tu peux prendre une photo. Il existe deux façons de procéder. La première, pour prendre l'écran tel qu'il s'affiche, est simplement d'appuyer sur moins. La seconde nécessite d'orienter la télécommande Wii vers l'écran. Appuie sur B et en bougeant la télécommande pour regarder. Ok. Si un lieu te plaît, prends-le en photo. Si tu prends des photos, n'hésite pas à venir me les montrer. Aussi aux photos, tu peux sauvegarder sur la carte SD. Il n'est pas possible de sauvegarder plus de 72 fichiers. Ok. Très bien. On s'en fiche? On veut pas prendre de photos? Ah, voilà, c'est toi qu'on voulait. On voulait parler à toi. Escroco. Ah, Moustillon et les Pokémon Jaune, vous êtes rentrés du parc des vœux? De quoi? Vous voulez savoir comment transformer une affiche en portail? Hein? Je vois absolument pas de quoi vous parlez. J'ai jamais vu un truc pareil, moi. Attends, Musquillement. Ils ont l'air d'être prêts à tout pour avoir une réponse. C'est pas en leur parlant qu'on va réussir à les remettre à leur place. Allez, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Si vous gagnez, je vous répondrai peut-être. Ok, c'est parti. Allons-y. Attends, Pikachu. Ils sont insensibles aux attaques de type électrique. Par contre, mon pistolet à eau sera super efficace contre eux. Tu es sûr que tu veux les combattre? Bah non, du coup. Kili2892 qui nous dit à quand la vidéo des 1 million. Alors, j'ai enfin reçu mon trophée des 1 million. Voilà. C'est la réponse que j'apporterai à cette question. Compris, échangeons nos places. Je n'en ferai qu'une bouche. Ah ouais, ok. Ok, Escroco par exemple est insensible aux attaques de type électrique. En revanche, il subira davantage de dégâts d'une attaque de type eau et d'autres Pokémon. Très bien. Bien, c'est parti.
Allons-y. Si vous gagnez, je vous répondrai peut-être. En garde. Ils sont insensibles aux attaques de type électrique, mais mon pistolet à eau sera super surpuissant sur eux. Eh oui. Bas escroco, ça va le faire, ça va le faire. On va s'en sortir assez tranquillement. Alors on va déjà s'échapper par le bas. Ça va être facile, hein. Et voilà. C'était facile. C'était facile. Ça alors, t'es vachement plus fort que t'en as l'air. J'ai pas le choix, je vais te dire tout ce que je sais. Hey, le grand, si tu leur dis tout, on va jamais recevoir nos baies. Bah, quand on a perdu un combat, il faut reconnaître sa défaite. C'est Scrutella qui nous a demandé d'emmener les Pokémon de la zone côtière vers le parc des vœux. Et aucun de ces affamés n'en est revenu. Pour ouvrir l'affiche portail, il faut faire le souhait « Ouvre-toi » en regardant l'affiche en face. Plus il y a de Pokémon qui font le souhait en même temps, plus c'est facile d'ouvrir le portail. Alors t'as intérêt à avoir plein d'amis. Tu veux savoir comment te faire des amis? C'est pas à moi de te l'expliquer. Il y a plusieurs façons de devenir ami. Gagner une course, un duel... Très bien. Bon, on rentre à la plage du ressac. Le prochain duel, c'est moi qui le gagnerai. Ah, je sais, si tu arrives à me battre, encore une fois, je te donnerai mes lunettes noires. J'ai hâte de prendre ma revanche. A plus. Ok. Ok, moi je veux bien tes lunettes noires, hein. Clairement, hein. Ouais. Mascaïman, rejoins tes amis. Ok. Merci Mascaïman en tout cas. Alors, tiens, on va switcher sur Pikachu et on va aller parler à Raichu. Je cherche un disciple pour lui transmettre mon savoir. Tu me plais, que dirais-tu de commencer ton examen d'entrée? Oui, très bien, allons-y. D'abord, il faudra que tu me... Ok, d'accord. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ok. Aïe, ça nous a fait mal. Ouh là 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 là. Ok. Et la queue de fer pour terminer. Et c'est bon. Parfait. Oh, c'est bien. Là, on s'en est bien sorti. Pour la dernière fois, c'est Poképark toute la semaine. Ouais, Poképark toute la semaine. Pas de Fortnite cette semaine, les amis. Non, non, non. Pas de Fortnite. Raichu, rejoins tes amis. On peut commencer l'entraînement quand tu veux. Oh, il faut d'abord que je te dise, l'entraînement n'est pas gratuit. Il faut me donner des baies. On va entraîner notre tonnerre. Allez, c'est parti. Je demanderai 100 baies pour cet entraînement. C'est parti. Allons-y bien par ici. C'est bon. Ton tonnerre est au niveau 1. Tu es un disciple vraiment doué. L'amélioration est notable. Très bien. On a combien de baies? Il nous reste 131 baies. Donc ce que je vais faire... Il n'y avait pas... Il est où? Et pas Non mais oui qui nous apprenait un truc. Voilà, il est là. Salut Non mais oui. L'heure de l'entraînement a sonné. Rien de tel... qui veux-tu entraîner? Ben, on va entraîner Pikachu. Et on va lui entraîner son énergie cette fois-ci. Comme ça il aura plus d'énergie. Du coup c'est pas mal. Très bien. Et donc du coup là j'ai plus d'énergie. Ton énergie est au niveau 1. Bien bien bien. Je veux dire enfin oui. Continuons l'entraînement. Très bien. Non mais oui, rejoins tes amis. Ça c'est cool. Ah, et puis il y a plein d'autres Pokémon en plus. Superbe. Chinchidou vient s'amuser. Ok, Chinchidou et Miasmax. Et du coup, je peux regarder. Et voilà, on voit énergie niveau 1. Et donc tu peux aller jusqu'à niveau 3, tu vois. Voilà. Du coup, c'est bien de lui avoir augmenté les trucs. Et du coup, alors où est-ce qu'ils sont là, les deux qui sont apparus?
Miaou, s'il est là. Ah, je vois Chanchidou là-bas. Allons chercher Chanchidou. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Oh oh! J'aimerais pouvoir discuter avec Miamiasme, mais dès que je m'approche, il s'enfuit. Ah, c'est triste ça. Tu as l'air bien rapide. Tu ne voudrais pas essayer de l'attraper à ma place? Ouais. C'est parti, on y va. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Merci, je compte sur toi. De quoi? Allez, c'est parti, on a une minute pour l'attraper. Ah d'accord, donc il nous attaque. Très bien. Et voilà, c'est good. C'est goodissime. Je sais pas si ça se dit goodissime, ça se dit pas. Déjà ça se dit pas, c'est un anglicisme francisé. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je m'excuse. Mais surtout, me nettoyez pas. Mais non, voyons, je ne suis pas là pour te nettoyer. Ah bon? Bien sûr que non, tu as perdu quelque chose et je voulais te le rendre, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a perdu? Allez, et fais-y un peu plus attention. Ah, ils étaient là, les kilos que j'avais perdus. Merci. Même si j'adore faire le ménage, je ne suis pas du genre à nettoyer les gens. Mais comme tu me regardais tout le temps, je m'inquiétais. Merci pour ton aide. J'ai pu rendre à Miamiasme ce qui lui appartient. Moi aussi, je dis merci. J'ai enfin compris pourquoi Chanchidou me regardait sans cesse à la dérobée. C'est parfait. La prochaine fois, nous pourrons faire la course. Je vais prévenir mon frère et ma sœur. Comme ça, tous les Chanchidou du parc seront tes amis. Chanchidou rejoint tes amis. Et Miamias également. C'est très bien. Je trouve que ça sonne pas mal goodissime. Je valide. Bon, très bien. Ce jeu est très très bien, mais très long. Donc bonne chance. Écoute, ça devrait le faire. Moi j'y crois. Écoute. Moi, je pense qu'on va s'en sortir tranquillement. Est-ce que vous aimez bien le nouveau layout, enfin la manière dont les donateurs sont marqués et tout ça, parce que bon, du coup, je me suis dit que comme j'avais fait une longue absence, ce serait cool de changer un petit peu. Mais du coup, bah dites-moi si ça vous plaît. J'ai voulu partir sur un truc un peu épuré, sympathique et qui prend moins de place à l'écran qu'avant, tout simplement. Ouais, c'est cool. Moi, j'aime bien. Ouais. Ok. Vous préférez à celui d'avant? Yo, je suis nouveau. Eh ben écoute, si le maître du gaming, si tu veux, tu peux t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. J'adore le layout. Merci à toi, Killy, en tout cas. Enti, tu peux jouer à Octopath Traveler. Octopath Traveler, j'y joue, mais de mon côté, en fait. Enfin, j'y ai joué de mon côté. Je l'ai commencé de mon côté, tout simplement. Parce que c'est le type de jeu où j'aurais du mal, moi, à le faire en let's play, tout simplement. C'est vraiment trop RPG classique. Donc j'aurais un peu de mal. Donc allons à la porte, on va voir combien il nous dit de Pokémon qu'il faut avoir en ami. On en a combien là en ami en vrai? On a 17 amis, hein, c'est pas mal. Hein. Allez, je pense qu'il va nous dire quoi? 15 amis, il nous faut 15 amis. Un truc dans le genre. Je vois pas ce qu'il peut nous dire de plus en vrai. Hein. Et c'est Pikachu. Ouais, bah on s'en fiche, c'est Pikachu. Hop, allez, allons-y. Regardez. Ouvrons le portail pour sauver Tiplouf. Pour ouvrir ce portail, tu dois joindre tes forces à celles de tes amis. Veux-tu tenter ta chance? Oui. Allez, on essaye. Est-ce que tous mes amis vont être là ou pas? Je sais pas du tout. Enti retourne au vieux port, il y a plein d'autres endroits avec plein d'autres Pokémon. Yes, mais pour le moment, on va faire ça. C'est trop cool, il y a vraiment tous mes amis. Bah ça, j'en ai pas mal. Secoue la télécommande. Bon, ça va. Ah, faut encore secouer.
pouvoir de l'amitié 13100. Ok, très bien. Très bien, très bien. T'as des légendaires shiny à part Kyogre et Elector? Non, c'est tout. J'ai juste Kyogre et Elector. Coucou Magic! Coucou Magic! Comment vas-tu? MDR, tu peux la secouer juste avec une seule main. Yes, aussi. Mais voyons, comment avez-vous pu ouvrir la fiche portail? Mais peu importe, en fin de compte, alléché par les inoubliables douceurs de tout en café, vous revenez? Voyons, que me valent ces terribles mines? Vous rendre nos invités? Quelle idée saugrenue! Mais après tout, je pense qu'est venu pour moi le moment de disparaître en beauté, il va sans dire. Ok. Il faut qu'on aille voir Tiplouf directement ou... Parce que là, ils sont tous... On est d'accord, hein. Gâteau. Ok, d'accord. Donc, ils sont vraiment tous hypnotisés. Donc, il n'y a aucun moyen de leur parler. Ouais, ils sont vraiment tous hypnotisés. Donc, on va aller jusqu'à... Ah non, bah non, c'est pas Tiplouf. On va aller jusqu'à tout ce temps qu'à faire. Très bien. Salut, toi. Vous revenu, vous jetez dans nos bras. Est-ce courage ou imbécilité? Croyons-nous libérer votre, vos amis? À supposer que vous ayez notre force, cela serait impossible. Seule la cloche des vœux pourrait sonner la fin de la récréation. Toutefois, personne ne saurait s'approcher de la maudite cloche et mettre fin à ces délices infinies. Osez remporter notre attraction si vous souhaitiez la sonner. Ok. Osez affronter la fabrique des douceurs dans toute sa gloire. Bah allons-y. Bah moi y a pas de souci, je veux bien affronter la fabrique des douceurs. Objectif 30 000. Ok. Donc il faut qu'on fasse 30 000. Choix du Pokémon. Bonne question, je sais pas qui serait le mieux. On va tenter Moustillon. Commencer l'attraction, oui. Allez, on va tenter Moustillon cette fois-ci. On a testé Pikachu la dernière fois. Peut-être que Moustillon est plus fort. Je sais pas. Allez, c'est parti Moustillon. Visez le centre. Alors, on va bouger encore une fois le capteur pour qu'il soit un peu plus bas. C'est good. Allons-y. On doit faire quand même, hein. Hey, hey, des fois ils se détectent pas bien. Bien là, vous le voyez disparaître aussi tout comme moi. Mais comment tu veux qu'on fasse 30 000? Ah, il y a encore des trucs là. Hey, ok, d'accord. Ok. Ok. Ah, ça bug. Hey, c'est quoi ce pointeur en caca là? Oh, c'est bon, on a fait 30 000, on est bon. Mais des fois le pointeur, ça... Regardez, regardez, il fait n'importe quoi. Bon, c'est bon, on est largement suffisant, mais...
Ok. Putain, voilà, là le pointeur s'arrête, c'est génial. Alors je sais pas si je suis trop près ou trop loin ou quoi. Non, non, je suis trop... D'accord, ok. Faut vraiment que je sois super près alors. Non, même pas, je sais pas. Il y a une distance toute... Ok, bon, on a fait 48 000, c'est bien. Mais là, le pointeur, il avait du mal, hein. Oh, Madame la manette. Vous avez vu hein, que le pointeur se téléportait, hein. C'est vraiment pas de la mauvaise foi de ma part. Je crois que ton capteur est trop près de la Wiimote. Le problème, c'est que si je peux pas me mettre plus loin parce que j'ai le fond vert, en fait, après, derrière. Tu vois, faudra que je fasse comme ça, c'est ça? Vous voulez que je fasse comme ça la prochaine fois? Bref, on a quand même réussi. Malgré tout ça, on a quand même réussi. C'est pas grave. Tout est bien. Qui finit correctement. Si tu joues sur émulateur, essaie avec ta souris. Je vais pas faire avec ma souris, arrête. Ça enlèverait tout le gameplay. Comment pouvez-vous vaincre la fabrique des douceurs? Dans toute sa splendeur, votre épreuve ne fait que commencer. Vous ne pourrez approcher le clocher des vœux. Jamais vous ne le ferez sonner. Bah si du coup. Du coup on peut aller là? Non? On doit aller là-bas? On doit aller le voir? On voudrait quand même venir quand même Nous ne vous laisserons jamais approcher la cloche. Tout à fait, arrêtez ces arrogants. Ok d'accord, donc on doit les attaquer. C'est parti. Et là comme on a augmenté les attaques éclairs de notre Pikachu, ça va être tranquille hein. Ok. Entity, tu en es où dans Octopass? J'en suis littéralement à 30 minutes de jeu. Littéralement. Ok, ouh, c'est un boss. Mais c'est trop bien, mais ils ont grave amélioré Poké Park 2 par rapport à Poké Park 1. Ok. Pas du tout ce qu'il faut que je fasse hein. Je vous avoue que là le but est juste de... Est-ce que le but c'est que je survive pendant 300 secondes? Ah ok. Ok, en fait, il faut juste que je tape avec queue de fer le... Ok, fallait juste que je tape le gâteau avec le truc. Ok, ok, ok. Mais ça va, on l'a compris au fur et à mesure. N'avez-vous pas honte de gâcher nos délicatesses, petit mal appris? Nous allons vous apprendre les bonnes manières. En garde. En garde, mets-toi en garde. Nanana, que tu as un bon jeu. On n'a pas vraiment le temps de t'amuser. Ah d'accord, donc ça me suit. Très bien. Ça va être trop simple, les amis. C'est tellement simple. J'ai juste à attendre qu'il soit plus invincible et poum, je lance. La tristesse. Mais c'est trop triste. Le pauvre tout en cafard. Oh là là, c'est triste. C'est triste. Bah ouais, je spam, mais bon, je gagne. Hein, écoutez, hein. Là, c'était assez simple, hein. Ce spam, bah oui, mais bon, le mec, il a pas une IA qui fait que, bah, direct, il va venir me taper ou bouger ou un truc dans le genre. Ok. Comment osez-vous, vermine? Oh, maître. Hélas, voici la fin de la zone douceur. Très bien.
Change-le ton capteur, c'était pareil sur ma Wii. Très bien. Parfait, on fait sonner cette cloche et tout rentrera dans l'ordre. Fais sonner la cloche des vœux, il suffit de charger dedans. Bon bah ça ira, ça devrait être assez facile. Et voilà, on a chargé la cloche des vœux. Et c'est la fin de Poképark 2. Eh ben dis donc, écoutez les amis, c'était vraiment un super jeu. Non, pas du tout. J'espère pas. Non, bah non, c'est pas possible. Ça fait 1h30, ça fait 1h30 qu'on joue. Ne soyons pas trop avant-gardistes. C'est loin d'être la fin à mon avis. Le jeu est disponible sur Switch. Ah non, le jeu est pas disponible sur Switch, non. Non. Même si en soi, il pourrait, hein. Il pourrait le rendre disponible sur Switch, hein, tu me diras. Mais, Tiplouf, où est-il? Vous, espèce d'affreux, où qu'il est, Tiplouf? Ah, je saigne, c'est très bien, je saigne du bras. Tiplouf, le Pokémon au chef bleu et à la démarche claudiquante. Qui sait s'il ne s'est pas perdu dans une autre zone? Je vois à vos mines éberluées une question se profiler. Le parc des vœux dépasse tout ce que vous pouviez imaginer. C'est une utopie composée de 4 zones et du palais des vœux, où trône le maître. Pour accéder au palais des vœux, il ne faut pas se contenter de faire retentir la cloche de la zone douceur, mais aussi de triompher des 3 autres attractions. Impensable, impossible! Tu parles trop haut, tout en qu'à faire. Ouh, elle a évolué. Fort bien! Vous êtes les barbares dont parlait Scrutella? Vous avez pu ramener les Pokémon de la zone côtière chez eux, mais des Pokémon de tout le Poképark se rendent au parc des vœux. Ils en seront les prisonniers et nous permettront de construire un monde de plaisir et de gaieté perpétuelle, ainsi que le désire notre maître. Personne ne pourra s'interposer, personne! Ha 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 ha! Roro Nagik nous dit je kiffe tellement les écrans de chargement, c'est vrai qu'ils sont grave cool. Et merci en tout cas pour ton don, ça fait super plaisir. Ah, ils ont disparu. Il y a 4 zones et le palais des vœux. Et qui c'est leur maître? Il faut avertir Clamiral. Ok. Donc allons Ah bon, on doit pouvoir passer par là en fait. C'est un raccourci hein. Si on fait ça, ça, et là on passe là. Yes, en effet. Très bien vu ce raccourci. Et hop. Ah non, c'est dommage qu'on puisse pas sauter STP. Ça aurait été trop bien. En tout cas, merci à toi Roronoa Geek pour tous les dons là que tu as fait dans le live. Ça fait vraiment très très plaisir. Et merci beaucoup pour ton soutien en tout cas. Ouh. Reshiram. Que se passe-t-il, monsieur Shiram? Pikachu, ce qui arrive au parc des vœux n'est qu'un début. Le Poképark est en danger, il court à la catastrophe. Tu es le seul qui puisse conjurer ce grand péril. La route sera certainement longue et semée d'embûches, mais je compte sur toi et tes amis pour unir vos forces. Ok. Bah écoute, écoute Reshiram, on va essayer de faire comme on peut. Pikachu avec sa tête de décérébré là. Quoi? Tu as vu un grand Pokémon blanc entouré de flammes? Et donc il t'a dit de sauver le Poképark. Tu as peut-être rencontré le légendaire Reshiram. Quelle chance, si tu le revois n'oublie pas de m'appeler. Allez, retournons vite faire notre rapport à Clamiral. Allez, allons faire notre rapport à Clamiral. Bon, on va encore passer là. Des blocs aiguiseurs, ça nous en fait 2. Je sais pas à quoi ça sert un bloc aiguiseur. Je pense qu'on apprendra ça par la suite, mais pour le moment,
On ne sait pas. Attendez tous les deux, vous m'avez sauvé du parc des vœux, vous vous souvenez, merci, je m'appelle Grodrive. J'aimerais vous parler. Moi et mes amis Grodrive, pouvons vous ramener à tous les endroits que vous avez déjà visités. Alors, lorsque vous voulez retourner quelque part, venez nous parler. Vous devez aller parler avec l'amiral. Bon, à plus tard. Grodrive rejoint tes amis. Et ça, c'est cool. J'avais pas vu qu'il y avait un béquipant, tiens. Salut Clamiral. Merci d'avoir ramené les Pokémon. Mais il faut à présent trouver le coupable. Et sinon, la même chose risque de se reproduire. Moussillon, et toi Pikachu, j'aimerais que vous vous enquêtiez sur le parc des vœux. D'abord, rendez-vous dans la zone boisée voisine. Parlez à Crocorrible au vieux port et il ouvrira la porte pour vous. Faites-nous confiance, monsieur Clamiral. Pikachu, si tout en qu'à faire a dit vrai, on pourra peut-être retrouver Tiplouf si on utilise l'affiche portail de la zone boisée. Allons-y tout de suite. J'ai confiance en toi et en ton tonnerre. Si nous unissons nos forces, rien ne nous arrêtera. Eh bah cool, on va devoir retourner au vieux port. Du coup, on va pouvoir utiliser le point de téléportation qui, j'imagine, c'est le truc bleu. Par contre, il y a moyen qu'il soit relou. Ah, par contre, il y avait Viscuse là, non? Il était au Viscuse. Ah, il est sur le... Ok, il est sur le... sur la rive. En bleu, ça doit être les trucs gros drive. C'est ça. Est-ce qu'il nous demande des baies pour voyager ou pas, en fait? C'est aussi ça, la question. On va aller voir Viscuse. Pardon. Salut Viscuse. C'est l'heure de faire un peu d'exercice. Je sais, voudrais-tu faire la course avec moi? Allez, c'est parti. Je commence. Allons-y, monsieur Viscuse. Ah bah dis donc, c'était dur. Hein. C'était dur, hein, madame Viscuse. Hein. C'était très dur. Hein. Eh bien, j'ai perdu. Tiens, mon cousin Viscuse. Tu as l'air de t'amuser, que se passe-t-il? Je viens de faire la course avec ce jeune Pokémon. À ma grande honte, j'ai perdu. Peu de monde est capable d'égaler les Viscuses. J'aimerais à mon tour me mesurer à ce jeune Pokémon, mais pas à la course. Ça a l'air fort excitant. Eh bien, rejoins une autre fois. Ok, d'accord. Donc il faut qu'on trouve le Viscuse bleu. Qu'est-ce qu'il faut? Il veut... Ah, c'est bien ça. Je peux le donner à Marakashi peut-être. Peut-être que c'est ça qu'il veut Marakashi en vrai. Ah bah non, il veut pas ça, pas du tout. D'habitude, nous dansons à trois, mais un membre de notre groupe n'est pas là aujourd'hui. Elle s'est peut-être trompée de point de rendez-vous et est allée sur l'autre plage. Yes, bah oui, elle est allée sur l'autre plage. Ça m'étonnerait pas d'elle. Tu ne voudrais pas aller lui dire? Si, 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 c'est bon. T'inquiète pas, on va aller le faire. Alors pourquoi je fais ça, hein? Vous allez me dire, mais c'est pas l'histoire principale, tout ça machin. Mais de toute façon, il y a un moment, on va devoir avoir besoin d'un certain nombre d'amis minimum pour pouvoir rentrer dans les zones. Donc autant faire des petites quêtes un peu faciles au début. Comme ça, au moins, vers la fin, on aura moins de quêtes à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, tu t'es bien trompé de rendez-vous, hein, toi. Quoi, le rendez-vous est sur l'autre plage? J'ai pourtant bien vérifié, comment je peux me tromper? C'est gentil de m'avoir averti, conduis-moi vers les autres, je vais te suivre. En se tournant vers un Pokémon et en maintenant A appuyé, il est possible de l'appeler vers soi. Il est où là? Il est là, ok. Si je vais trop vite, en fait, il va pas me suivre, hein, je pense. Faut vraiment que je... Ok. Très bien. Allez, on a fait la moitié du chemin, Marakashi. T'y es presque. Merci. Allez, viens.
Très bien. Allez, c'est là. Et ensuite, c'est bon. Il est juste là, ton Marakashi. Ton poteau. Et il est où? Non, c'est faut maintenir à appuyer. Attends. Il va venir ou pas? Bah, viens. Tu viens ou pas? Je suis allé trop vite? Ah, je suis allé trop vite, c'est tout. Très bien. Allez, vas-y, avance tranquillement. Avance tranquillement vers l'autre Marakashi qui est au bout de la plage. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon là. Le voilà. On a ramené les Marakashi et ça y est, maintenant ils sont tous ensemble. Désolé de vous avoir fait attendre. C'est pas grave, on va enfin pouvoir danser. Merci pour tout. Et ça y est, on est amis. C'est parfait. Combien on a de... On a 141 baies. Très bien. Le viscus bleu, il était par où? Il est par là-bas. Donc va falloir se changer en tiplouf en fait, tout simplement, pour aller voir le viscus bleu. Ah, tu es là? Je t'attendais. Bien, jouons en cache-cache. Ah ouh, faut que je trouve où il est caché. Ok, très bien. En contrebas d'un petit îlot. En contrebas d'un petit îlot. Ok, pas de soucis. On va trouver 60 secondes, ça devrait le faire. Il est par là. Bah, il est là en fait. C'est ça un petit îlot? Moi j'appelle ça un rocher, hein. Après, si tu me donnes des fausses informations, on va pas s'entendre. Hein. On va vraiment pas s'entendre. Hein. Je comprends que tu aies vaincu ma cousine Viscus. Est-ce que moi aussi, je pourrais te considérer comme... Mais je suis bête, nous sommes déjà amis. Très bien. Ah, attends, il y a ceci. Hé ! Voilà, une bouée. Superbe. Je sais pas si on en a besoin. Mais allons-y, tiens, on récupère aussi ce truc-là. Ok, du vedouillet. Et on va, eh bien, aller voir s'il nous demande des baies pour voyager ou pas. Tout simplement. Salut, salut Poichijon. Je suis tellement fatigué. Est-ce que tu pourrais me porter jusqu'à la fontaine là-bas? Bah ouais, carrément. Bon, ça va, c'est pas très loin. Allons-y. Ça va, elle est pas non plus très très loin. Et on est à 1000 likes. C'est cool. N'hésitez pas à lâcher un like si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais c'est cool. Merci à tous d'avoir mis autant de likes pour ce premier épisode du coup de Poképark 2, le monde des vœux. C'est gentil. Merci. Je me sens beaucoup mieux. J'ai envie de m'amuser. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Il veut faire la course? Ça va être facile. Vas-y, pose-toi. Ouais, ok, d'accord. Je pensais qu'il allait repartir, mais en fait, non. Non, non, il est pas du tout rapide. Donc, tout va bien. Tout va bien. J'ai envie d'être ton ami. Très bien. Et voilà. On est amis avec lui. Et ça, ça fait plaisir. Merci à toi, Poichijon. Si tu me vois voler, fais-moi signe, je me poserai près de toi. Et, oh, on a récupéré Goélise du coup. Eh ben, c'est très bien, merci Goélise. Alors, on voulait du coup partir ici. Attends, on voulait pas parler à Escroco? Attends. On voulait parler à Escroco quand même avant. Parce que Escroco, il est là, hein. Quoi, tu veux te battre? Allez, c'est parti, on va se battre. Ne viens pas te plaindre après. Ok.
Allez, on va essayer de battre Escroco, c'est parti. Et voilà, c'est gagné. C'est gagné. C'était facile. C'était facile. T'es quand même balèze. Lunettes noires. Ah, on a récupéré des lunettes noires. C'est cool. Je sais pas à quoi ça sert, mais on les a récupérées. Bon, maintenant, on va pouvoir s'envoler vers la nouvelle zone. Enfin, vers la nouvelle zone. Enfin, oui, c'est ça. Alors, bonjour, on va quelque part. Oui, on va au vieux port, bien entendu. Allez, eh bien on est parti. Ah, c'est gratuit, très bien. Parce que dans le premier jeu, c'était pas gratuit. Hein. Pour ma part, le like est lâché depuis longtemps. Merci à toi les tutos de Juju, ça fait super plaisir. Voilà, nostalgie, j'ai fini le jeu 3 fois. Shukitaman, t'as fini le jeu 3 fois. Eh bah dis donc, tu gères. 3 fois, c'est quand même... Bah il faut le faire, quoi. Salut à vous! Ah, feuille à joue. Merci de m'avoir sauvé! Qui aurait cru que les gâteaux du parc des vœux étaient envoûtants? Je me disais bien que c'était pas normal qu'on puisse en manger autant sans se couper l'appétit. Je ne veux plus voir un gâteau de ma vie. Vous êtes des pros, vous. Flamajou et Flotajou m'ont tout raconté. Vous avez ramené tout le monde. Merci mille fois. Feuille à joue, rejoins tes amis. Flotte à jour, rejoins tes amis. Et Flamme à jour, en rejoins tes amis. Mes amis, nos amis. Nous sommes tous amis. Hein, vous allez à la zone boisée. Vous trouverez l'entrée par là en continuant tout droit. Par là. Tu peux pas dire par là et ne rien montrer en fait. C'est pas possible, ça ne marche pas. Tu n'as pas le droit. Tu as l'air bien rapide, mais je me dis que ça pourrait être mieux. Tu ne connais pas encore le turbo? Ah, je peux t'en apprendre plus si tu fais la course. Ok. Très bien. Il devient alors difficile de négocier les virages. Ok. Compris. Alors on va essayer. Ok. Donc je peux secouer la télécommande en fait. Merde. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Comment on court? C'est comme ça, ouais. Ok. Je sais pas pourquoi je lançais. En fait, je peux charger mon attaque en même temps. C'est ouf, ça. Ok, très bien. Oui, tu as compris le truc. J'adore quand mes amis font des progrès. Très bien, Zébiron rejoint tes amis. Bon, très bien. Je pensais qu'il allait nous apprendre... Je me dis que tu as vraiment beaucoup de potentiel. Je peux t'apprendre à courir encore plus vite si tu veux. Mais pour ça, il faudra donner des baies. Ah, voilà, qui veut... Alors, Pikachu. Ce sera 200 baies. Je crois qu'on les a. Yes, c'est bon. Vas-y, Pikachu. Pikachu, comme il est déjà super rapide... Vas-y Pikachu, tu peux le faire. Quoi, j'ai pas réussi? Ton sprint est au niveau 1, ok d'accord. Tu apprends vite, dis donc, c'est très bien, je suis fier de toi. Très bien, on va switcher sur Pikachu. Moi je préfère Pikachu encore. Alors, il nous a dit si tu continues tout droit. Heureusement qu'on a cette minimap hein, quand même hein. Ah, il y a Mateloutre. Ah mais Mateloutre, il aurait appris un truc à Pikachu, je pense. À Moustillon, plutôt. Un corsaire doit transmettre son savoir. Tu me plais bien, je voudrais que tu deviennes un apprenti. Allez, c'est parti. Allez, Moustillon, prêt à défier le vrai loup de mer? C'est parti. Ah ouais, d'accord, donc il est plus fort que moi. Très bien.
Ça va, hein, c'est... Je fais le même pattern, hein. Voilà. Oui, je spam les esquives et les attaques. Et alors, c'est ainsi qu'on joue. Quel talent, je veux absolument que tu deviennes mon apprenti. Super, merci Mateloutre, ça fait plaisir. Parfait, mon entraînement pourra commencer quand tu voudras. Je comprends dans l'océan, mais rien n'est gratuit. Ah, par contre, on les a pas les 100. Je crois pas, hein. Ce sera 100 baies. Ah, on les a pas, t'as pas assez de baies. Ok. Désolé, hein, on peut pas. Désolé, Mateloutre. Du coup, on devait aller par là. Ah! Voilà. Salut, toi. Maintenant, tu vas nous laisser passer, s'il te plaît. Ah, c'est ton équipe que j'ai vu jouer avec Mascaïman et Scroco. Quoi? Ok, tu veux que j'ouvre le portail de la zone boisée? Je vois. Amène-moi Non Mais Oui et j'y réfléchirai. Tu sauras le reconnaître. Non Mais Oui, c'est le Pokémon rose qui est près de la fontaine et c'est la plus mignonne de tous les Pokémon. Ok, allons-y. Enfin, par contre, je vais changer sur Pikachu, hein, parce que il met trop de temps, hein, Moustillon. Il est pas assez rapide. Alors que Pikachu, regardez, regardez cette vitesse. Regardez cette vitesse. Mais Pikachu, c'est vraiment le champion du sprint. C'est... Alors par contre, Zébibon, tu vas vite te calmer. Tiens, les pionniers, comment allez-vous? Pardon, vous ne savez pas qui sont les pionniers? Mais c'est vous! C'est comme ça que tout le monde vous appelle. Certains Pokémon donnent un surnom à l'équipe de Pikachu. Ce surnom changera selon les actions de l'équipe. Ok. Comment Monsieur Crocorim m'appelle? Entendu, j'irai le voir ou non? Mais oui, peut-être. Oh, vous insistez pour que j'aille lui rendre visite tout de suite? Très bien, vous allez ouvrir la marche. Allez, vas-y, viens. Ça va, il court vite. En fait, il va vite, lui. Ça va, il va super vite. Ça devrait le faire. Super. On est bon. Bonjour, monsieur Crocorrible. Comment allez-vous? Tiens, ne serait-ce pas Non Mais Oui que voilà? En fait, ces gamins insistent pour que... Bien sûr, je vais retenir mes coups, mais on ne sait jamais. Alors si vous pouviez rester là, des fois que quelqu'un se fasse mal. Vous avez entendu les microbes, on va se battre. Alors si vous gagnez, je vous ouvre le portail de la zone boisée. Si vous n'êtes pas capable de vous battre, il vous arrivera de toute façon des bricoles là-bas. C'est mon job en tant que gardien des portails de vous protéger de vous-même. Alors prêt, allons-y. Alors par contre, j'ai pas le bon Pokémon en fait là. Donc c'est vraiment pas cool. Ah, il est immunisé, il est immunisé. Qu'est-ce qu'on est bête? Qu'est-ce qu'on est bête? Attends, attends. Vas-y, attaque-moi. Hop. Ok. Ouais, bah ça va le faire sans l'aide de Moustillon. Hein. Et voilà, le queue de fer, très bien. Bon, ça va, c'était facile. C'était facile. On l'a eu. Je comprends comment vous avez maté Mascaïman et Escroco. Vous êtes encore des avortons, mais pour cette fois, ben, pour récompenser vos efforts, on va faire comme si vous aviez gagné. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Crocorrible, tout va bien? Moi, cette question, j'ai rien du tout. J'ai juste fait semblant de perdre, c'est pour leur faire plaisir. Mais non, ne vous leurrez pas, ces jeunes sont très forts, vous savez? Allez, ouvrez-leur le portail. Et regardez-vous, monsieur Crocorrible. Vous êtes dans un état déplorable, je vais vous soigner. Non mais oui, désolé de me montrer comme ça. Et vous deux, je vais vous ouvrir le portail de la zone boisée. Vous pouvez dire merci à Non Mais Oui. Attention, vous risquez de devoir combattre des Pokémon encore plus forts que moi par là. Si ça sent le roussi, appelez vos amis. Enfin, si vous m'appelez depuis la zone boisée, je ne vous entendrai pas. Alors, faites-vous plein d'amis là-bas. Pendant les combats, tes amis peuvent te venir en aide. Lorsque leur image apparaît en bas de l'écran, appuie sur A pour les appeler. Ah ouais, je savais pas.
Très bien. Je ne savais pas. C'est une nouvelle fonctionnalité, dis donc. Dites donc. Les modos d'Enti sont tellement gentils par rapport à ceux de Kirb. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est bien qu'ils soient sympas, mais après, ceux de Kirb, peut-être qu'ils répondent aux directives de Kirbendo. T'sais, Kirbendo, c'est un tyran. Eh oui, sachez-le. Kirbendo, il est comme ça. Non, pas du tout. Sente du moulin. Très bien. Dis, t'es au courant? Son Altesse Majaspic organise une belle partie. Cet instant sublime lorsque tout le monde entoure Sa Majesté, j'en frissonne d'avance. Bien sûr que j'irai. On dirait qu'il ne s'est encore rien passé dans la zone boisée. Très bien. Salut toi, donc tu parlais d'un truc. Dis, tu viens à la zone côtière? Je voudrais une perle irisée. Je te échangerai contre 300 baies. Comment? Tu n'en as pas? On dit qu'on peut en trouver dans les eaux de la zone côtière. Mais bon, si c'est si difficile à avoir, tant pis. Ok, très bien. Il va vouloir qu'on fasse la course. Je suis lancé à plein galop pour rejoindre le grand tournoi. De quoi? Tu penses que je n'ai pas ce qu'il faut pour le combat? Oui. Tu chanteras sur un autre ton après ma démonstration. D'accord. Très bien. Je le prends dans un coin et je le maltraite. C'est horrible, le pauvre. Oh. Ok, il m'a quand même mis un coup. C'est très bien. Ah là là là. Bon, on dirait que j'ai besoin d'encore un peu d'entraînement. Merci d'avoir pointé mes faiblesses. Chenipan, rejoins tes amis. Merci à toi, Chenipan. Très bien. Tiens, toi. Attends. Déjà, on va prendre le coffre à Maracacool. Hey. Oh merde. Oh. J'ai noyé un Pokémon. Merde. J'ai littéralement noyé un Pokémon. Je m'en veux beaucoup. Voilà, je tiens à vous le dire. Il n'y a pas une autre? Si, il y en a une autre. C'est bien ce que je me disais. Qu'est-ce que c'est que ça? Un joyau? À qui tu veux que je le donne? On va le donner à Vipélière. Tiens, Vipélière. Tu veux un joyau? Ah non, il veut pas de joyau. Très bien. Tiens donc, des nouvelles têtes. Vous êtes venu pour la belle partie? Quoi? Ce n'est pas ça? On a une mission de la plus haute importance. Alors, on est venu enquêter ici. Une enquête? Ça m'a l'air intéressant, votre histoire. Plus que l'autre sauterie, en tout cas. Rien que d'y penser, j'en baille. Intéressant. C'est pas un jeu, hein. Quel sérieux. Mais il faut penser à se décoincer et s'amuser un peu. Bah, salut. Ah, ça y est, il est là. Salut, toi. Pourquoi tu vas te fâcher? Qu'est-ce qui se passe? Mais lâche-moi, tu crois que je veux les entendre, tes histoires? Allez, vas-y, tiens. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que t'as? Tu veux te battre? Non mais, on peut plus courir tranquille? Je vais te montrer, moi. Ah, voilà, ça y est. On va pouvoir se battre. 2, 1. Ok, ça c'est good. C'est trop facile. VGKU Gaming a donné 5€ et nous dit super live, t'es super, tu as donné la dédie à Sif en fait. Sif, je lui ai pas... En fait, je l'ai pas revu dans un contexte, pour lui remettre les éventuels cadeaux que j'ai récupérés et tout ça. Donc, nope. Mais je sais que je dois lui donner une figurine là. Je sais pas si c'est toi qui m'avais donné cette figurine là en tout cas. Mais je sais que quelqu'un avait donné une figurine à donner à Monsieur Fano, donc ce sera fait.
Férocinge, je peux pas courir comme je veux et en plus je vais me faire tourner. Bah je reconnais que t'es un costaud, je promets de me calmer. Et bah très bien, merci à toi Férocinge, ça fait super plaisir. Un sécateur vient s'amuser. Oh là là là, c'est pas une petite bête, hein. C'est pas une petite bestiole, un sécateur. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Oh, il y a un trompignon par là. Salut trompignon. Excusez-moi, monsieur trompignon. Ah voilà. Tu m'as fait une de ces peurs, tu veux vraiment jouer avec moi? Oui. Si tu es d'accord, on va faire la course. Allez, c'est parti. Mais ça court pas vite, un trompignon. Ouais, ça court à 2 à l'heure. Dommage. Ah, on avait 1 seconde. J'avais pas vu qu'on a... Attends, quoi? On avait 1 seconde? C'est quoi ce délire? Moi, je voulais lui envoyer une petite attaque tonnerre et tout et m'amuser. Ah, on a vraiment 1 seconde. Ok, c'est bon. Ah, il faut vraiment être rapide, quoi. La seconde. Non, mais vraiment, 1 seconde près, quoi. Je me suis fait cueillir. Mais c'est un vrai régal de jouer avec toi. Trompignon, rejoins tes amis. Merci à toi, Trompignon, en tout cas. Toujours un régal. Et du coup, on a Golet qui est venu s'amuser. Bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, faut que je continue à explorer cette zone. Hein. C'est ça, j'imagine. Hein. Je venais de par là, non, ouais, je venais de par là, donc on va pas aller par là, on va aller plutôt par là. Hey, il y a un truc là-haut. Est-ce que je peux monter sur ce truc ou pas? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ça, c'est le portail. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon amie est de l'autre côté de l'affiche et elle ne revient pas. Toi aussi, tu connais quelqu'un coincé dans le parc des vœux. Vous connaissez le parc des vœux? Ouais, on enquête sur la disparition des Pokémon. Et même dans la zone boisée, on trouve ces fichues affiches. Mais elle est déchirée, celle-là. Elle ne pourra pas servir de portail. Et en cherchant le bout d'affiche manquant et en le recollant... Ah, encore l'autre fouineur en vert. C'est bon, c'était pas la peine de le dire, on avait compris. J'étais d'ailleurs en pleine réflexion à ce sujet. Retrouver le morceau et la clé du mystère. Je connais les Pokémon qui a déchiré l'affiche, moi. Mais bon, dois-je le dire? Voudriez-vous le savoir? Oui. Je n'ai rien entendu. Qui a déchiré l'affiche? C'est bien mieux comme ça. Demandez donc à Farfaduvet. Bon, je file chercher Farfaduvet, moi aussi. Ah. Ah. Bon, les amis, je pense qu'on a bien avancé. Je pense qu'on a très très bien avancé dans ce jeu pour le moment. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va sauvegarder parce qu'on a rien du tout sauvegardé depuis le tout début. Donc autant sauvegarder un petit peu, ce serait cool. Veux-tu arrêter de jouer? Oui, allez, arrêtons de jouer. Donc voilà, on a sauvegardé la partie. Les amis, merci à tous d'avoir suivi cette première vidéo, ce premier live sur Poképark 2, le monde des vœux. Ça m'a fait super plaisir de relive'er avec vous, ça fait 2 heures là qu'on était ensemble. Merci à tous les gens qui ont fait des tips, merci à Pavelson d'avoir sponsor. Et puis ben, nous on se retrouve demain de 18h à 20h pour la suite de Poképark 2. Donc n'hésitez pas eh bien, à venir et puis à vous amuser demain avec moi sur Poképark 2 avec, on l'espère, un capteur qui marche. Et Roro Noah Geek a donné 21,99€. Merci à toi. Un petit don pour la fin. Tu es super. Mais c'est toi qui es super, Roro Noah Geek. Merci beaucoup. Bref, n'oubliez pas de laisser un petit like en partant. On se retrouve demain. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la petite cloche. Et surtout, restez comme vous êtes car vous êtes super. C'était Nutiteuf. Bye tout le monde.